demain, on commence vendredi. À parler de la. Oui, donc oui, demain, on commence à parler de nos ouais. persos. Ouais. On va. Je crois qu'il est prévu de faire deux séances de création de feuilles. Et après, pour commencer, je sais pas quand. Ah si, c'est la deuxième semaine de février. Oui, il l'avait déjà dit, c'est ça. Le samedi. Oui. Samedi 8. Oh, je viens de voir un truc. J'ai pas de malus d'armure à l'équitation. Donc la dernière fois. Tu peux avoir deux, non? Ou un comme ça. Bah non, normalement j'ai plein de malus. Et parce que je me souviens d'avoir fait un jet d'équitation, j'étais pas très bon, mais parce que j'avais compté le malus, j'aurais pas dû. Eh ben Antoine qui oublie un truc dans une règle. Non non, c'est parce que je suis chevalier, j'ai pas de malus du tout. J'ai lieu d'avoir un moins 7, j'ai fait 0. Ah oui, du tout. Ouais, en fait, ouais, c'est ton... Bah, en équitation, oui. Juste en équitation. Ouais. Ouais, d'accord. Juste en équitation. Ouais, c'est dommage qu'il y ait des donjons qui sont de cheval, de chaudre. Et donc... Du coup, j'en retirerai le malus de ma feuille, comme ça, ça va être très confusion. Qu'on peut faire un truc, mais je suis pas sûr que ça te plaise. C'est que. Ah oui, alors je crois que je peux pas parce qu'en fait j'ai pas choisi le bon. Le bon Eidolon. Mais il pourrait avoir, être à quatre pattes et être salut. Une monture. Salut Vincent. Vous faites ce que vous voulez à quatre pattes. C'était. Ah oui, bon moment, toi. J'arrive, c'est juste pour vous signaler, je suis bien là. Je termine 4 heures. Non, pas le 4 heures, le enfin je termine pas le repas, c'est la deuxième. Non, c'est la deuxième partie du repas, c'est les desserts. J'arrive. Ouais, mais c'est fromage et dessert. Il y a une discussion, ouais. Apparemment, il n'y a qu'un Melun et Rebelle où on considère le fromage comme étant autre chose qu'un dessert. Alors, il faut monter à 30, donc ça nous fait 26. Ah, mon dieu, j'ai peur. Oh joli. Bah attends, je reviens.
Alors, non, non, pas 6 heures, 60 minutes. 10 minutes, 10 minutes par niveau, donc en fait, là, ça fait 60. Shugaël est là? C'est un nouveau personnage. Shugaël est là. J'étais tranquille. Bonsoir. Bonsoir. Travailler. Ah bah non, ça va pas alors. Mais tu crois que t'es tout seul à travailler? Oui, mais lui il a plus l'habitude. On se manquait que 2 jours cette semaine. Hein. C'est un petit garçon perdu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Salut. Coucou. Salut. C'est sympa, Cindy arrive, elle dit coucou et elle répond merde, bravo. Louis, je viens de lire oui, ton mail moi. Sur ton portable. Ouais. Tu sais que Free met à disposition un FEM tout seul pour ta Freebox V6 gratuitement. Un fan tout seul. Oui, mais la V6, c'est pas celle que j'ai. C'est la Ah, la transparente, c'est la Tupperware. La transparente, non, elle est noire, mais. Tupper noire alors, mais. Ah. C'est la dernière. Oui, bah la dernière, elle est Tupperware, elle est transparente. Ah, elle est noire. Enfin, peut-être que j'ai la V6-1 et tu parles de la V6-2. Je sais pas, je la connais pas. Moi, Ouais, j'ai la celle de Stark, là. Ouais, bah c'est ça. Ah non, c'est pas la toute dernière là. Ah bon? Ah, je savais, bon. Ouais. Enfin, sur celle-là, en tout cas, t'as un fan tout seul. Ça, c'est la V6, hein. Ah bah d'accord, mais moi je crois que c'était sur la suivante. Ah Ok, bon? bon. Bah non, il y a leur plan, je crois. Mais t'as dû recevoir un mail il y a quelques années, il y a 6 mois ou 8 mois. Alors ça, je Sur ton crois que compte j'ai free, vu. hein, je suppose. Non, Là où tu reçois tes alertes Adopi, tu sais. Ah, c'est peut-être pour ça que je crois que j'en ai pas reçu. Ouais, mais non. Ils Ah, auraient c'est déjà jamais si. débarqué. Non, 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 je reçois quand même la lettre Free, mais bon, je l'ouvre pas, je la lis pas, donc forcément. Je reviens. Il va vérifier sa Freebox. Oh là là, t'as vu Vincent? De quoi? Le work in progress de sans détour. Hartung Toulouse? Oui. Ouais. Enfin bon, ceci dit, ça fonctionne quoi. Ouais, Oui, c'est Hartung Toulouse, j'étais déjà à 2 doigts de le prendre en anglais, même si je parle pas anglais. C'était prévu, il l'avait dit au Topial, mais bon, avec eux, Puis l'avantage. t'as des scénarios préécrits, suffit de prendre 2 données et tous ces textes. Qu'est-ce qui va être traduit? Non, non, mais n'importe quoi. Bon, je reviens. Hey, fais un peu plus que 4 gouttes à chaque fois. Bon, ça commence bien. Artung Toulouse, mais c'est bien, eux ils font pas de crowdfunding donc ils font de la bonne précommande des Ils font de la familles. bonne précommande bien chère avec beau collector bien cher. Voilà, ouais, mais c'est pas pareil, tu vas pas attendre 2 ans. C'est Heureux. de la bonne précommande. J'ai pas besoin. C'est vrai qu'avec la webcam on n'a pas besoin de dire ça se voit qu'on est là. Ouais. Bah oui.
C'est pas faux. Sauf, sauf Cindy et Antoine. C'est vrai. Qui, ils sont, eux, ils sont pas derrière leur écran. Bon, j'ai regardé The Mousquetaire. Oh non. Bon, c'est pour eux, c'est pas trop mal. Allez, c'est pas trop mal. Il y a quelques. Et alors, Richelieu, il est quelle donne C'est historique. C'est oui, oui, c'est historique. Ouais, donc c'est ok. Non, c'est ça le Richelieu. Presque à l'histoire de, aux 7 premières pages du D'Artagnan de Dumas. Oh, tout de suite. Non, mais voilà, Richelieu est méchant, mais c'est pour la France. Non, mais c'est. Bon, les combats, faut pas s'y attarder. Stéphane, je n'ai pas eu le temps de revoir ma troisième vision. Quoi? Ouais. Comment ça? Ouais. T'as vu le vol de... La seconde, ouais, ça je l'ai relu parce que ouais, c'est pas une vidéo, mais si t'as le lien de la vidéo, je veux bien. Ok, merci. Bien sûr, tout le monde se souvient de la. Bah non, seconde vision, ils vont me dire ah non, on se souvient pas. Bon, il y a des ghouls, il y a un manoir, mais et puis il y a du feu aussi, je crois. Non, je vais vous laisser, je vais laisser Stéphane nous réintroduire. Et... T'en prie. Tu te laisses un peu faire, je trouve. Hein. Continue. Bah c'est surtout. C'est fini vos conneries, ouais. Ah en 1004. Bloc. Ah bon, tu. Absolument, c'est si important que ça? Non, c'est bon. Mais non, il peut faire les deux. Puis, il a qu'à simplement arrêter le film qu'il regarde et puis wow, et il pourra faire le. Bah non, n'importe quoi. Œil droite sur la vidéo, œil gauche sur ce qui se passe. Pas de soucis. Et les oreilles, tu les mets où? Dans ton cul. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien à voir, ça. Très bien. Bref. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai un écran noir sur cette porte-là, tout à fait. Tout en bas. On a un. Ah, tout en bas. En plus, faut déplacer les trucs alors qu'on a les mains pleines. Donc, je refais un. Et un bon petit 50%. Tu peux pas nous placer. Ah, bah là, je suis obligé d'entendre quelque chose. Je la mets à 50% au moins. Ouais. Pareil. Ah, le radar. Prétentieux. Ouais, j'allais le dire. Bon, en général, quand Stéphane commence comme ça, c'est qu'il va y avoir un problème. Comment ? Problème. Bah, au niveau des problèmes. Problème pro. Il y a un problème au niveau des problèmes. Hein. Alors, t'as fait faire un résumé de la partie d'hier C'est vrai Stéphane T'entends, il va te faire un geste. Non, je sais pas. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais... Regarde le résumé. T'as qu'un doigt. Avant de commencer, moi j'ai une question. Clara, dis-moi, tu n'es pas herboriste? Le boriste? Herboriste, herboriste. Non, je ne suis pas herboriste. Tu n'es pas boriste. Bah non, j'ai mis
T'es pas une entrée pour ensuite faire de la popo, la chimie Attends, ou un truc comme ça, et t'auras pas déjà fait ça. T'es sûr? Tu veux qu'il la montre à tout le monde? Il faut qu'il montre sa bouffe à tout le monde, quoi. Mais non, putain, Stéphane me pose une question, faut bien que je change de main pour manipuler la souris, bordel. Alors que t'auras un écran tactile comme tout le monde, hein, tu vois. Quel master il y a dans la, mauvaise foi. Et c'est pas de la bouffe, Antoine. Rien à voir. Une tartine, c'est pas de la bouffe. C'est une tartine au miel, ouais. Ah d'accord, une tartine au miel. C'est un petit cas de fin de soirée, de début de soirée. C'est bon. Si Stéphane, si tu me poses. Ah oh bah oui. Ah effectivement. Ouais mais tu me l'as jamais fait utiliser donc je savais pas. Tu me l'as jamais fait utiliser, je savais pas. Oh non. Oh oh, elle est belle celle-là. Oh, on a du bon vin sur la dehors. Ouh là là. Là. Non, désolé. Ah, c'est dommage, je n'enregistrerai pas, dis donc. Ah bah oui, on l'a refait, Coco. On l'a refait. Non, non, désolé, j'avais pas vu. D'accord, y'a pas de soucis. Tu n'avais pas bu? En fait, je souhaiterais qu'on analyse tous les deux, du coup, vu qu'on est herboriste, le morceau de tissu où il y avait les spores dessus, en fait. Ah, ouais, c'est intéressant d'accord. De le faire. Est-ce que Stéphane, on peut faire ça, comme ça? Il y a deux choses que vous pouvez faire, effectivement. C'est d'abord analyser qu'est-ce que c'est comme moisissure, étant donné que les moisissures, moi, je les considère comme des plantes. Donc oui, ça rentre tout à fait dans l'aspect herboristerie. Et il y a aussi un autre jet que vous pourrez me faire. C'est le vitrail avec l'espèce de fleur. La fleur qui ressemblait à une clochette, à savoir exactement ce que c'est. Donc d'abord, vous me faites des jets, premièrement sur la moisissure que vous avez trouvée, et ensuite, en second lieu, ben, celle du vitrail. Voilà. Parti. C'est un dé de 20 plus ta compétence en herbo. C'est lancé. Alors, je vais le faire. Hop. Ça, c'est pour les moisissures. Ok. Non, Steph, excuse-moi, j'ai pas évidemment modifié la totalité de mes compétences, mais j'ai mon petit malus que tu m'avais dit, donc il y a moins 2 à retirer à manger. Ok. J'ai qu'un plus 3 actuellement. Ah bah oui. Ouais, donc ça fait du 19. 19, ouais. Alors, pour les moisissures... Je vous prends tous les deux à part. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Alors, en ce qui concerne la moisissure, c'est la première fois que vous en voyez de telle sorte. D'accord. Elle est très étrange et c'est la première fois que vous en voyez des comme ça. D'accord. Et vous me faites un second jet pour le vitrail. C'est beau ça. Ouais. Un peu naturel. Pour moi. Je te sors, Chou. Tu es le maillon faible. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Ouais. De toute façon, elle va entendre. Alors, de toute façon, elle est à côté de moi, donc elle va entendre. Mais il faut pas faire de méta-jeu. Et donc, en fait, la clochette sur le vitrail, c'est de la mandragore. D'accord. Ah, mais c'est la fleur des pendus, ça. C'est la fleur de... Enfin, elle est pendue, mais... Oui, bon. La fleur des pendus, oui. Mais c'est une c'est fleur de mandragore. D'accord. D'accord. Voilà, je te remets. Bon bah ok. Ça, ok. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. User in your channel is recording. Juste à titre indicatif, avant qu'on aille plus loin, je viens d'y repenser, la fleur sur le vitrail qu'on a vu tout à l'heure, c'était une mandragore.
Je sais pas si ça vous évoque quelque chose par rapport à... Je sais pas, ailleurs, ça sert à quoi? Oui, ça m'évoque les Philippe et l'Urne, mais... C'est une plante... Enfin, c'est ce qu'on a... Ouais, mais c'est ce qu'on appelle aussi la plante des... Enfin, la fleur des pendus. Elle pousse au pied des gibets de potence. Enfin, selon la légende. Quant à la moisissure, là, qu'on a un petit peu inhalée, Abby et moi, on a essayé de regarder un petit peu, vu qu'on s'y connaît un petit peu, on est un petit peu herboriste. Oui, mais tu viens de te recevoir, par contre. Pas du tout. On a analysé, c'est tout, on a un peu réfléchi. En fait, on connaît pas du tout ce type de plante, on sait pas du tout ce que c'est. C'est assez bizarre. Pas de suggestion alors sur le fait qu'une mandragore on t'a pas entendu. Bah, il faut que ça bah, coupe si, une mandragore. Si, la mandragore, disons qu'on on peut l'associer encore. Voilà, vu qu'il y a plein de morts, on peut penser qu'il y a peut-être des pendaisons derrière. Bah, c'est une en tout cas, c'est une nouvelle représentation de macabre. Oui, oui. Comme, oui, comme l'araignée et comme le papillon. Donc ils ont l'air jolis ceux-là, mais c'est des dieux des morts. Possible. Le problème c'est qu'on a pas trouvé de similitude avec ce qu'on connaissait de divin, quoi. C'est dommage. Faites tous des jets de sagesse, s'il vous plaît. De quoi ? Pour savoir si on va avoir des cadeaux, non ? Ah, sagesse, ça j'ai pas, moi. On prend juste le modificateur, tout simplement. Oui. Tu prends ton modificateur de sagesse. En face, t'as un chiffre. Ah oui. Tu jettes un dé de 20 plus 4. Je savais que j'étais très sage. Vilmar, c'est hilarant. Je sais, j'ai beaucoup d'humour. Ami la magnifique. Putain. Vilmar et moi, nous sommes très sages. Ok. Ah, toi, t'es carrément dans le passage du tout, quoi. T'as qu'à faire. Ok. Alors vous voyez, dans cette pièce, ici une cheminée, une grande cheminée qui occupe cette partie de la pièce. Vous voyez ici de nouveau une double porte. C'était une pièce poussiéreuse avec plein de toiles d'araignées partout. Et vous pouvez vous apercevoir qu'effectivement il y a des tableaux qui sont il y en a 5 de ce côté-ci et il y en a 3 de l'autre côté. Vous voyez que ces tableaux sont très poussiéreux, qu'il y a une plaque de cuivre illisible à cause de la poussière. Et lorsque vous entrez dans cette pièce, on a l'impression que la température tout d'un coup vient de tomber au moins de 10 degrés. Donc il faisait 4, on est à moins 14. Donc il fait tout d'un coup frissonner. Frissonner tout d'un coup. C'était et... Moi la seule question c'est je perds combien de vie? Non, pas tout de suite. Et tous, vous voyez, en regardant les tableaux, couverts de poussière, vous voyez ces visages représentés par des peintures qui semblent sortir légèrement des cadres, comme s'ils devenaient des sculptures ou comme s'ils prenaient vie. Ouais, ils sont assez friqués pour s'acheter des tableaux 3D. Mais nos 3D, hein. C'est bon. Ouais. Ça représente quoi, différentes... Je fais un tour sur moi-même pour regarder la tranche des peintures.
Donc vous vous approchez. Qui s'approche des peintures? Moi j'attends encore qu'il regarde avant de... C'est quoi, c'est 1m50 le carreau? Alors, je m'en approche de 3 mètres, tu vois, là où je suis. Hop, je les vois tous. Bah, tu vois pas vraiment grand chose parce qu'il y a plein de poussière dessus. Il faudrait essuyer en fait de ta manche ou avec une écharpe rouge par exemple que Kara a trouvé les portraits pour pouvoir voir quel type de portrait c'est en fait. Je m'approche du premier là où je suis. Petit à petit, la température continue de baisser et vous faites du givre avec votre bouche quand vous respirez. Ça me paraît pas normal, cette atmosphère. Non. Et non, vous entendez... Il n'y a pas un froid quand il y a un fantôme qui va arriver. Si, si. Vous entendez aussi des craquements. Je vois des morts. Vous entendez des craquements qui proviennent tout autour de vous, car petit à petit, vous voyez du givre se former sur les murs, qui descendent le long des murs. La cheminée, vous voyez le manteau de la cheminée qui tout d'un coup se met à givrer. Et petit à petit, les tableaux commencent aussi à givrer. Je sors de là, moi. Je fous le feu. Tu fais une détection de magie, Yavin, pour voir. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est pénible. Moi, je vais vers l'autre porte. Toi, tu vas à l'autre porte, tu donnes... Alors, tu vois que la porte, elle est pareille. Tu vois du givre petit à petit qui se forme sur le bois. Je te conseille pas de coller ton oreille pour écouter ce qu'il y a de l'autre côté, à risquer de se coller quoi. Et tu vois le givre qui bloque la, comme c'est une double porte en fait. Tu vois que le givre descendant le long des murs et bloque la porte en fait, et ce qui fait que la jointure entre les deux battants, ben il y a du givre ici. Et tu vois tout en bas de la porte du givre qui commence à apparaître dessous la porte et bloquant ainsi la porte. Ouais, je fais demi-tour alors. Je regarde la cheminée, il y a du bois à faire flamber ou pas? On pourrait l'ouvrir plus vite. Non, par contre, la cheminée, tu vois des stalactites qui se forment sur le manteau de la cheminée qui descendent comme ça vers le bas petit à petit. Doucement. Et vous voyez soudainement un bras sortir d'un des cadres, d'un des portraits. Un bras qui sort littéralement du portrait pour essayer d'attraper quelqu'un qui passerait par là. Et vous voyez que ce bras... a des pustules sur tout le long du bras, un peu comme la vision que t'as eue, Karam. C'est où? Je tape dedans. Okay, ouais. Ici, ok. Ah merde, n'abîmez pas le tableau, s'il vous plaît. N'abîmez pas le tableau, on ne sait pas qui est cet individu. Il faut absolument qu'on sache qui c'est. Mais ça a duré 2 secondes, le temps que vous sortez. Le bras est passé comme ça à travers le cadre et est revenu, quoi. Et vous avez pu constater que ce bras était, empli de pustules, quoi. Le phénomène de givre, vu qu'on est quasiment tous à la porte, sauf Nargin, continue ou... Oui. Non, non, il est parti du haut, et il descend le long des murs. Il s'attaque maintenant au sol, et vous voyez petit à petit le sol qui commence à devenir tout blanc de givre. Je me place au niveau de Nargin, je frotte la plaque, pour voir le nom de la personne. Alors tu d'où est sorti le bras? Tu c'est pas visible, hein. En gros, j'essaye de déterminer si à qui appartient ce portrait. D'accord, ok.
tu vois un donc tu donnes un petit coup comme ça pour voir à qui appartient ce comment ouais. ce portrait et en fait il y a une petite plaque de cuivre juste en dessous en fait et en passant un petit coup très rapide tu vois marqué un nom Vorel V-O-R-E-L. Tu peux voir le portrait d'un homme assez grand, d'âge moyen, rasé de près, riche, avec des vêtements bleu foncé. D'accord. La tache bleue au milieu de la pièce, c'est quoi ? Excuse-moi, pardon ? La tache bleue au milieu de la pièce, c'est quoi ? Ici ? Ouais. C'est de la moisissure. Tout comme l'aspect vert ici, c'est de la moisissure. Et il y a de l'humidité. Un petit peu partout. En me rapprochant vers la porte et en étant attentif, si jamais un brasseur du tableau ou autre, ouais, si y a un brasseur du tableau, je regarde les deux autres tableaux, les noms des deux autres tableaux et les personnages. D'accord. Je fais attention comme si les personnes dans le tableau allaient m'attaquer. Hein. En gros, je suis sûr ouais. Donc tous les autres, vous restez à l'extérieur, vous regardez ça de la porte en fait, c'est ça? Ouais. Non, moi j'accompagne. Moi je vais faire pareil que Margin, je vais quand même me rapprocher au cas où s'ils ont besoin de quelque chose, un petit soin, quelque chose. Aussi. Couverture. Voilà. Vu que je me Ah, il fait vraiment très très froid, hein. La température est vraiment très basse. Donc là, on a dit, hein, on a 5 portraits ici, enfin tout le long, et de l'autre côté, 3 portraits. Les portraits qui sont à droite, à ma droite, ouais, à ma droite. Ouais, à ta droite aussi d'ailleurs. Alors. Une seconde. Tout d'un coup, vous voyez le givre qui s'estompe et vous entendez comme un bruit bizarre derrière vous. Et derrière moi, j'ai Nargin. Ouais, mais derrière vous, bah, c'est-à-dire ici. D'accord. Ça provient de cet endroit-là. Le givre a laissé sa place à des espèces de champignons qui commencent à pousser sur tout le long du mur et qui commencent à envahir les portraits. Un peu comme des espèces de champignons pustules que vous auriez vu sur un des bras que vous avez vu tout à l'heure. Et vous voyez ces espèces de pustules champignons qui commencent à être très envahissant et à monter le long des murs, à aller sur le parquet, et ça vient dans votre direction. Ouais, compris. Donc je regarde rapidement, je frotte les noms, je regarde, je fais vite, j'évite de me faire choper par les pustules. D'accord. Donc très rapidement, tu regardes les portraits, donc je te donne des noms. Il y a un homme, il s'appelle Travers. Il est grand, mince, visage étroit, une fine moustache. À côté, en frottant, tu regardes, il y a une jeune femme aux longs cheveux roux, sourire espiègle. Cyrali, elle s'appelle. Cyrali. Et tu vois 3 enfants. Avec lequel ? Avec la Cyrali. Oui, tu vois donc ici, voilà, ici, et ici, tu vois 3 portraits d'enfants. Non, trois pas ici. Portraits d'enfants. Ouais, ici, c'est. Non, alors, pardon, 2 portraits d'enfants, un ici et un ici, puisque celui-ci, on a dit c'était Vorel, celui qui est là. D'accord. Ouais, ouais. Et tu vois donc les plaques de cuivre très rapidement. Tu vois Alderne, Sandeli et Siva.
Oula, attends, ça Aldern. En fait, ça en fait oui. beaucoup là. Ça en fait que. Attends. Ouais, pardon, Aldern est sans délit, pardon. Ziva, c'est pas ça. D'accord. Je me suis planté. Ziva, c'était juste pour ponctuer la fin de la phrase. Ziva. Mais il y a trois Ziva. Enfants, c'est quoi le troisième? Il y a que deux enfants. Non, on le sait pas. Je ça, fais du méta-jeu là. Il y a que deux enfants. Parce que je me suis trompé. Il y a deux enfants. Il y a deux enfants qui s'appellent Aldern et Sandeli, Travers et Sirali, et au milieu il y a Vorel. Vorel, ouais. T'as dit Grande Rose, visage espiègle, hein, c'est ça? Oui, Sirali, jeune femme aux longs cheveux roux, sourire espiègle. Par contre, vous voyez les champignons pustules qui... Vous me faites des jets de ceux qui sont restés dans la pièce. Vous me faites des jets de vigueur, s'il vous plaît. À quelle distance, Stéphane? Même ceux qui... Avant le carabouge, moi, je... Ouais, oui, bah, même, mais oui, mais même là. T'es dans la pièce. Je considère que t'es encore dans la pièce. T'aurais dû rester. Oh putain, jet de vigueur, c'est bon, ça. C'est pas prévu par le MJ, alors faut que je cherche. Putain, pour une fois. En veine ce soir. Mon dieu, mon dieu. Putain, trop. Mais c'est beau, hein. Alors, Abby, t'as fait 9, c'est ça? Ouais. Et Kara, t'as fait 19, c'est ça? Ok. C'est bon. Donc, tous les trois, vous sortez de la pièce ou vous continuez à rester là? Non, moi je sors. Moi je sors, mais j'arrache vite fait un champignon pour l'analyser. Kara se met à poil et se jette sur les pustules. Alors, je te réexplique. Ça ressemble à une pustule, je sais pas si... Ça ressemble pas à un champignon. Champignon-pustule. Ça ressemble plus à une pustule... Non, ça ressemble à... Tu sais, à la photo? Ouais. Bah, ça ressemble à ça. Je sais pas. Donc tu restes dans la pièce. Tu restes dans la pièce, alors. Je sors et je te dis de venir et de pas toucher pustule, à cette merde. Une pustule, c'est un gros pompu. Non, surtout pas y toucher. C'est pas... Moi, j'écoute Kara, alors. Je sors. D'accord. Nargin et... Il y a plus que Kara dans la pièce, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Deux minutes, je suis sorti. Bon, je ferme les portes derrière eux. Ça marche. T'as peur, hein. C'est clair, lui c'est pareil. C'est pareil, nous on est restés, hein. Bah, ça prouve que nous sommes expérimentés. Oh, c'est surtout que t'es une tapette, ouais. Oui, ouais, tout à fait. On te retiendra ça sur ta paye. Hein. Non, mais vous avez accompli quoi là en restant dans la pièce comme des. Stéphane, pendant oui. qu'ils se disputent. Je rouvre légèrement la porte pour voir si les pustules sont encore là. T'as une pustule qui te saute. tu rouvres la porte. Doucement, oui, je jette un œil comme ça. Voilà. Tu vois la pièce. Tu l'ouvres pas en grand. Tu l'ouvres comme ça là. Légèrement, juste voir si ça a réinitialisé ou pas. Genre, par contre, quand tu réouvres la porte, c'est intact, il n'y a pas de givre, il n'y a pas de pustule, il n'y a rien du tout. Eh ben voilà. Ah, bah voilà. Donc là, je rentre et je perds les trois autres portraits pour lire le nom. Et là, il y a toutes les pustules avec toutes les moisissures. Et tout. Donc, au moment où tu rentres à l'intérieur de la pièce, tu sens que la température est en train de baisser. Froid. Il y a une vague de froid. C'est pour ça que tu fais vite. Donc tu as le temps de voir le nom des trois Stéphane, autres personnes. Oui. J'attends juste, je cours à la porte opposée. Oui, je l'ouvre en direct. D'accord, ok, ça marche. Ça a été réinitialisé, c'est le mot. Maintenant, attends que j'ai eu les noms, je fonce
Ouais, je te le dirai après si tu veux. Non, mais y a pas de problème, y a pas de problème. Seul, reste pas tout seul. Bah oui, mais donne-moi les noms. On court tous après l'ouverture de la porte. Bon, donc tu as vu trois noms. Si on en roule ou pas. Tu as vu le nom de Cassandra, Loret et Ziva. Bon, Ziva. Et des enfants, des adultes, des filles. Donc il y a deux petits, il y a une petite fille et un petit garçon. Loret c'est un petit garçon, Ziva c'est une petite fille. Cassandra, c'est une dame brune à l'air sévère, quelques mèches grises courent dans ses cheveux courts, et tu as vu qu'elle portait une robe bleue vaporeuse. Il y a quelque chose que vous remarquez quand même, un peu, c'est qu'ils ont tous les traits, les mêmes traits de famille. T'as pas les portraits ? Malheureusement, non. Sandelli, c'était un petit garçon, une petite fille. Sandelli, c'était un garçon. Parce que Alderne, ça c'est bon. Une fois que le monde est passé, je referme le portail. Tu refermes derrière toi ? Kara, ouais. Dépêche-toi. Oh, Narguin va. Aussi. La porte se referme petit à petit. Mais non, mais ça merde là. Qu'est-ce qui se passe ? La carte elle est trop grande. Ah. Faut que j'arrête tout ça. Bah, c'est attends, ça, je vais. Un petit écran. Attends, je prends ton perso, Gaël. Tu changes de parce PC que... et tu changes d'écran aussi. Voilà, je te l'ai mis avec les autres. J'étais. Ouais. Comment ça, tu sauvé le perso de Gaël. Merci. Comment il l'a sauvé. Et tu refermes la porte derrière toi. Et là, on est bloqué. Ouais, voilà. Et là, grand piège. Donc, ils sont entrés dans une pièce. Donc le MJ se régale. Là, tu l'entends baver, là. Tu l'entends baver. Et tu... Vous entrez dans une chambre. Alors, attendez que je regarde. Ah, bah ça va être un, quoi. Non, je disais juste qu'il n'y avait pas de moisissure dans la pièce-là. Non, par contre, il y a de la toile d'araignée. Ouais, mais ça, c'est pas... Donc les meubles de la chambre, bien que poussiéreux et laissés à l'abandon, ne montrent aucun signe d'humidité ou de moisissure. Seule exception, une tache sur le bureau. Il signale le nain comme étant la tache. Vous me faites des jets de perception, s'il vous plaît. Bien sûr. Ah oui, ça fait rire, Ilmar, ça, à chaque fois. Hop, là. Gros nord. Oh, 31, je pense que c'est bon. C'est le piège, ça. Ah merde, oui. Ah bah, de toute façon... C'est bon. Pénible, t'as Macron, mais vraiment... Mais c'est surtout la, jeu, quoi. C'est surtout la macro de chez où de toute façon c'est le résultat quoi. Alors, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il manque Kara, non? Ouais, deux secondes. Et je prends des notes. Oh là 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 là. Bon, mais comment fallait que ça soit masqué. Il a réussi à hacker le logiciel. Non, fallait que ça soit masqué. Et toi, quand c'est masqué, j'ai fait des jets de merde, donc... Okay. Ouais, faut que tu le relances, mais c'était pas masqué. Personnellement, pour moi, c'est un petit résultat, hein, pour perception, mais bon... Et Vilmar, t'as lancé le dé ? Non, il a pas lancé. Oui, mais c'était avant la macro de... Ah oui ! Oui, d'accord. C'est bon, j'ai vu. Bon, j'ai vu. Ok, je fais sortir les gens. Oui, ta macro est pourrie, gueule. Mais non, on le voit pas, ton résultat. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. C'est caché, banane. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Les Martiens, ils t'ont... Non, on voit même pas qu'il est caché. Ta gueule, je le vois même pas, alors, ton résultat. Ce qui va se passer, c'est que... J'ai pas ton jet... Non, Antoine n'est plus là, on a été y a changé, que... Gaël. Ah bon?
Mais j'ai pas le jet d'Antoine. Je parle à Vincent en priorité. C'est lui qui est concerné par ce qui va se passer. Oui. Abby et Nargin, vous êtes là en tant que spectateur. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe, mais vous ne pouvez pas intervenir. Vous voyez juste ce qui se passe. Bah, j'ai sorti le popcorn. C'est un peu ça, oui. Je te... Kara, oui, tu là où il y a la tâche sur le bureau. Par contre, le gars qui regarde en spectateur, il est pas obligé de faire du bruit comme je sais pas quoi là. Comme 15 mecs. C'est bon. C'est bon ça. Elle est où la tâche à part Nargin, je vois pas. Il y a une tâche sur le bureau. Je l'ai indiqué là. Je dois avoir de la latence. Alors. Peux-tu me la réindiquer s'il te plaît? Non, c'est moi qui regardais autre chose. Elle est là la tâche là, Steph? Ouais, j'ai l'impression que j'ai de la latence parce que je montre quelque chose, mais je le vois pas sur l'écran de Cindy. D'accord. Donc, effectivement, si c'est une sorte en réel. La tâche, elle est là, ouais. La tâche, elle est là, là. Ah, elle est là-haut. D'accord. Elle est là. Okay. Moi, on me voit pas, c'est bizarre. Je pense que je dois. Ah, si, ça y est. Si, ça y est. Donc, la tâche se trouve ici. Sur le bureau, et au moment où tu regardes, parce que bon, tu regardes quand même la tâche, c'est quand même une grosse tâche noire, la tâche a disparu, a laissé la place à tu comprends pas, à une dague en argent. Tu aperçois donc cette dague en argent sur le bureau. Un court moment, une sensation de surprise te traverse l'esprit. Et il n'y avait aucune dague à cet endroit quelques secondes plus tôt. Et là, mais non, c'est pas possible. C'est impossible. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de tuer la personne que tu aimais le plus au monde. Elle essayait seulement de t'aider. Mais tu l'as brûlée. Et tu l'as vue s'écraser en contrebas lorsqu'elle a sauté par la fenêtre. C'est lui. C'est moi. Mais tu parles à qui? Il parle à moi. Pendant que t'étais en train de manger tes popcorn. Mais non, il y a la dague qui a... Mais c'est toi qui parles à voix haute? Oui, c'est ça. Il est comme possédé. Oui. En fait, c'est pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je l'ai tué. Je l'aimais. Enfin, c'est... Voilà, c'est ça, Steph. C'est ça. Et pourtant, tout cela est vrai. Tout cela s'est passé. Le désespoir et la culpabilité t'assaillent. Pour l'instant, ton esprit est clair, mais peut-être n'est-ce que pour un moment seulement. Et tu sais précisément ce qu'il te reste à faire. T'as plus le choix. Tu regardes la dague d'argent. C'est le moment de mettre fin à ta vie. Avant que la folie ne s'empare de toi à nouveau. Tu t'approches du bureau. Donc vous le voyez s'approcher du bureau. Et de saisir de cette dague que vous voyez. Tu me fais un geste, s'il te plaît. Et vous voyez donc, vous voyez la dague. Il l'a prise sur le bureau, car a pris la dague sur le bureau. Et vous voyez qu'elle est là, prête à s'étrangler, à se couper la gorge avec quoi. Tu me fais un geste de volonté, s'il te plaît. Bah oui. T'es relou avec ton malus en plus. Ça m'abaisse quelque peu mon bonus. Je vais la faire cacher, je suppose. Bah non. Oh putain! Voilà. Je la fais cacher et c'est de la merde. Bon, bah, appelez l'ambulance. Oh putain, c'est mal, Blue. J'aurais pas dû la faire cacher. Attends, je vais la faire pas cacher. Non, c'est fait, hein. C'est fait. Là pour l'instant, donc vous voyez Kara avec la dague en argent et vous voyez qu'elle se tranche la gorge. Par contre, vous pouvez intervenir. Vous voyez que. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Donc vous pouvez intervenir. Bah, moi je chope le bras pour éviter qu'elle se gorge.
D'accord. D'accord. Je fais les dégâts quand même parce qu'au moment où vous êtes intervenu pour essayer de la sauver. Moi je pense que c'est un appel au secours, hein. Il se suicide, pas se suicide. Foiré. C'est combien ? Ça c'est une vie de luxe et de stupre. Voilà. Bon ça va, tu perds 3 points de dégâts à cause de... Tu t'es enfoncé un peu la lame. Ça va, tu fais 3 points de dégâts, mais je t'en mets. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas une dague qui tient, ouais, c'est juste un morceau de bois. Et il a réussi à se trancher la gorge avec ça. Oui, il a des échardes et il a une grosse coupure avec un morceau de bois, quoi. Donc je vous remets dans le chat normal et puis je vais faire une petite description quand même. Ça sent plus de chat. Donc pour Yavin et Vilmar, je vous raconte ce qui se passe. Bah non, laisse-nous la surprise. Bah la surprise c'est que ça fait un gardien qui se déplace, qui font des choses alors qu'on voit rien quoi. Non, mais en fait, il s'est pas passé grand-chose, juste Kara qui... ça s'est passé très très rapide, ça a été rapide, hein. Ça a été moins de 10 secondes. Hein. Kara s'est approché du bureau, là où se trouve en fait la grosse tache de noir, là, et elle a pris un bout de bois qui traînait sur la table, et elle se l'est enfoncé dans le cou. Voilà. Et avant que ça aille trop loin, avant que ça aille trop loin, Abby est intervenue. Voilà. C'est tout ce que vous avez vu. Vous n'avez pas eu le temps de réagir. C'est en fait ce qu'il faut dire. Avant que Narguine aille trop loin et continue à enfoncer le bout de bois dans le cou. Non, il fait pas ça. Il donne des coups de dessus. En fait, il jette une tente et il donne des coups de dessus. Le bâton de l'autre côté de la gorge, c'est ça? Non, en fait, c'est un peu égratigné, un peu de sang qui perle, mais elle n'est pas à l'agonie non plus. Mais quand même, c'est une belle entaille. Elle cherchait à se raser, c'est ça ? Après, il y a des nains. Mais plus ça va, plus mes compagnons sont complètement tarés. Je sais pas ce qu'ils font. C'est bon maintenant que tu t'en rends compte. Ça. Qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kara, que tu fais ? Ah, je vais te dévorer ! Non, je déconne. Il y a des points dans cette pièce, là ? Oh oui, dévore-moi, Kara. Non. Non, mais en fait, j'ai été possédé par la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. A priori, vous vous souvenez le combat que je vous ai décrit entre l'homme pustuleux et la femme, vue par les yeux de son enfant. A priori, c'est la femme qui a gagné. Et elle était prise de remords. L'homme s'est enflammé et il est tombé, il est passé à travers la fenêtre et il a chuté. En bas et elle était prise de remords, elle se disait mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, que je l'aimais, il faut que j'en finisse avant de devenir complètement folle. Et pour elle, elle était dans un moment de lucidité, elle a pris une dague qui traînait et cette tache noire, ça doit être son sang en fait, et elle s'est ouvert la gorge. En même temps, si tu avais un moment de lucidité, tu ferais plus au soccer, hein. Non, juste avant, si j'avais un moment de lucidité, je t'en parlerais. Avant de me suicider, éventuellement. Donc je pense que c'est ça, bon, cette trace de... Tiens, Narguine, pas Narguine. Une question Vilmar, Vincent, tu peux passer ton doigt sur ta langue, ensuite venir gratter ici la tache, et puis la repasser sur ta langue pour vérifier si c'est sent. Enfin, ça change de... Non, mais pour moi, je suis convaincu, Stéphane, que la tache sur le bureau, c'est du sang. Il y a pas d'os, il y a rien. Non. C'est un coffre au milieu de la pièce, là. Oui. Tu l'ouvres ? Bah ouais. Il est vide.
J'avais trop. J'avais Kara, dans ta vision, en fait, le gars tombé de la fenêtre, il tombe dans l'eau ou il tombe sur des rochers Je ne l'ai pas vu tomber, j'étais juste à la place de la personne. Par contre, ça me rappelle effectivement une vision. On va peut-être trouver son cadavre. Mais je saurais pas. C'est dépouille. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une vision que j'avais eue après les événements de Point de Sable. On a tellement des visions, non, il y a quelques temps, oui, bah, tu devrais les noter. Et tu consommes quoi comme... Ça te permettrait du nain en poudre. l'horloge d'un vieux clocher qui sonne 12 coups, ça vous rappelle rien par rapport à ce qu'on a lu? Tu consommes les horloges? Ça vous rappelle rien? Ouais, ça rappelle coups, l'heure de minuit ou de transformation, une odeur de bois coupé, nuages de poussière, un goût de sang sur la bouche. L'odeur de bois coupé, ça fait penser à la Syrie. Ouais. Le reste, tu dis? Bah, goût de sang sur la bouche, ça pourrait être les ghouls. Une créature avec une tête monstrueuse, habillée comme un prince, ça pourrait très bien être la blême. Vénérable, ouais. Léchant le sang sur une lame ensanglantée. Sentiment sur son épée. Alors après, je pense pas. Sentiment de colère très très forte, très forte envie sexuelle, les deux mélangés. Alors une cité magnifique avec de nombreux monuments en marbre. Ça, j'avoue que j'ai pas encore vu, à part dans ma vision. J'ai vu dans une autre de mes visions, j'ai vu effectivement où je vois. Manoir. Ah, c'est ouais, ça, c'est possible. Des statues, non, parce que c'est vrai que cette vision-là et la précédente, on devrait retrouver des statues ou des bâtiments avec un dôme en cristal très ancien. Puis il y avait un fond noir et sur lequel et autour de moi dansaient des masques horribles. Puis une montagne et au sein de celle-ci une forteresse qui semblait être assiégée. Là, la fin de la vision est quelque peu obscure. Pour autant, moi. Oui. Donc, j'avoue que la dernière vision que j'avais eue, où je me voyais poursuivi par les ghouls, dans un manoir où tout s'enflammait, j'ai du mal à l'interpréter par rapport à la lumière des événements que... Moi, je l'interprète très bien. Si on se tirait avant que ça s'enflamme avec les ghouls, ils arrivent. Non, parce que c'est la dernière vision que je vous ai décrite correspond parfaitement au manoir où nous nous trouvons. Donc, il y aurait des ghouls dans ce manoir, ou en tout cas, ce serait l'origine de ce manoir. Par contre, après, donc normalement, ça devrait aller, crescendo devrait aller de cauchemar en cauchemar, je pense, pour tomber sur quelqu'un, enfin une créature, peut-être un sorcier, un nécromancien. Magnifique, j'en rêve. Magnifique, j'en rêve, oui, c'est vrai. À toi aussi Mais bon, le feu était très présent, mais je ne sais pas qui brûle. Et je sais pas. Et ce visage de. Le visage d'une créature uniquement. Ouais, c'est peut-être la blême que j'ai eue dans ma vision, où on ne voit que la peau, mais elle a perdu toute humanité. Il faudrait peut-être. Je pense que lorsqu'on descendra, on devra être sur nos gardes. Si vous voulez aller. Lorsqu'on ira visiter sans les catacombes. Oui. Elle sauve ta vision, effectivement. Ça nous avertit. Hein. Oui. Dana qui criait ou qui pleurait, je sais plus. Elle s'est arrêtée. À partir du moment où on était au deuxième ou. Non, vous êtes arrivé au deuxième, vous l'avez entendu, et puis. Depuis que vous êtes rentré dans la chambre d'enfant, en fait, vous ne l'entendez plus. C'est un événement aléatoire. Je regarde les étagères. Par contre, moi j'ai une question. Ouais, les Fiji, c'est Ali là qui est en bleu là? Ali? Oui. Oui. Moi j'interprète ça comme Ali, ouais. L'emblème qu'il y a sur le. Le lit, est-ce qu'on connaît ou pas? Ah ben oui, c'est un petit peu celle qu'il y avait sur la la même qui était sur la clé. Sur la quoi, Stéphane? Sur la clé. Coupé. Sur la clé. La clé qu'on avait trouvée. Ah d'accord.
Je prends Gaël à part 2 secondes. Enfin, d'abord je parle à Cindy et ensuite je parlerai à Gaël. Tu prendras Gaël. Pourquoi? Parce que. Bah, parce qu'il préfère toi après. C'est ton tour, hein, c'est tout. Hein. Tu peux pas refuser. Je préfère garder le meilleur pour la fin. Il a le droit de préférer Cindy quand même. Je te bascule, Gaël. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. T'as un truc qui te démange. Tu relèves ta manche comme ça de ton bras et tu vois ta peau qui commence à brunir et ta peau un peu se gondoler comme sous l'effet de la chaleur en fait. T'as pas chaud, t'as pas froid, t'as rien, mais ça se gondole. Et tu vois que ça monte petit à petit, comme ça, doucement, en une tache très très sombre. Et tu vois apparaître quelques pustules, maintenant. Alors... Pareil. Non, mais je vais remettre Gaël, et puis... tu as quelque chose en particulier à me dire ou pas? Attends, je suis en train de regarder... Non, non, bah non. Je te rebascule. Bascule. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Qu'à un moment, c'est tombé que sur lui. Je sais pas ce que j'ai, mais... J'ai mes avant-bras qui me grattent. Oh putain. Je m'approche d'Abigail et je lui fais un JS, une assistance divine. Tu fais une assistance divine? Ouais. À qui? À Nargin? Non, à Abigail. Abby, d'accord, ok. Ah, ça soigne de... J'ai entendu Nargin. Non, ça fait un plus 1 en JS si elle veut l'utiliser. Ah. C'est bien de l'avoir avant, parce que c'est niveau 0, en fait, on devrait se faire ça avant de rentrer. Que des tarés dans le groupe. Tu fais un jet de... tu fais un jet de vigueur. Ouais, c'est ça. Et tu rajoutes un. Là, par contre, du coup, j'ai couru, pouf, voilà. Il va y avoir de la pustule dans l'air, moi je vous le dis. Super. Ça s'étend. Non mais c'est pas arrivé jusqu'ici. C'est parti de ta main, tu vois. Et c'est arrivé à ce niveau là quoi. Ouais, mais ça gratte. Donc vous voyez le bras d'Abby qui commence à avoir des pustules sur le bras. Faut couper. Super. L'amputation, c'est comment? Et pourquoi là j'ai moi ça va. Fais un G. Parce que moi aussi je peux me faire une résistance de pas, c'est pour ça, et que j'ai pas fait. Mais si toi t'es stoïque, je savais pas. Ça je sais pas, Gaël, je regarde pas la feuille de tout le monde, donc non, mais ça je sais pas. Genre, c'est pas la peine que je lance. Non mais tu le fais, à partir du moment où je t'ai fait la description d'un truc, tu me fais le jet de vigueur. Hein. D'accord. Je savais pas. On savait pas que t'avais quelque chose aussi, toi. Bah, je voulais pas vous le dire. Putain, pardon, laissez-moi passer. Voilà. Mais je me casse. J'aurais vu que t'as des pustules plein la gueule, gars. Ils sont tous tarés, hein, Vilmar. Hein. Faut qu'on se barre. Hein. Faut pas rester. Non, ici. Moi j'ai rien. Kara, tu m'abandonnes. Ah là là, mon dieu. Ah, c'est trop dangereux ici. Abandonne. Ouais, enfin, de tous les tarés, c'est quand même un peu la pire, Kara. Je t'emmerde, toi, gros con. C'est ton jet ça, Gaël? Bah oui. T'appelles ça un jet? Stéphane, est-ce qu'une purification... Ah ouais, il va me dire non, tu vas voir. De nourriture et d'eau, ça peut aider? Non, ça peut pas aider, ok. Si tu comptes manger Abby, oui. Putain. La blessure... Ouais, blessure légère, non, une c'est pas ça. Petite aspiration d'acide pour arrêter la pustule? Je t'ai envoyé un message, Gaël.
Il faudrait faire directement une boule de feu. Ça démange. Oui. Ah oui, une boule de feu, ouais. Bah ouais. Là, ça va pas du tout. Vous voyez que je m'amasse sous ma manche, puis que je me gratte le bras avec ma masse. Ah. Mais qu'il en ressort du pu. Il en ressort un liquide. Oh, une fistule. Et qui, hein. Ouais, bah vous feriez mieux d'arrêter de vous gratter. Je remonte mes manches et puis je fais à Kara. Donc tu vois son bras plein de pustules. Enfin, la moitié de son bras qui commence à avoir plein de pustules. Si je fais étincelle, ça le brûle. Je sais pas, t'as qu'à essayer, Vincent. Non, mais je fais une assistance divine aussi à Nargin, même si c'est déjà trop tard. Au moins, c'est roleplay. Bah non, tu peux parfaitement demander à ta créature un petit jet d'acide, tu vois, ça va leur faire du coup. Non, mais c'est moi qui fais le jet d'acide. Hein. Non, Stéphane, je t'ai dit que je jetais un œil sur les étagères. Hein. Oui, sur les étagères, tu vois que les étagères, rien d'intéressant, elles sont vides. Parfait, bah, je vous propose, mes amis, de se barrer de loin d'ici très rapidement. Vous avez vu, on est son ami. Ouais, mais c'est ça, c'est super. Oui, c'est, hein. Alors c'est dès que t'as été couvert de pustules. Nargin, donc, à mon avis, il te cache des choses. Ah, comme Kara, quoi. Tu as toujours été mon ami, comme Kara, c'est ça? Donc je suppose que vous ouvrez la porte et vous partez très rapidement de l'autre côté, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Je fais un croche-pied à Vilmar de manière à ce que celui-ci se vautre, puisqu'il vient d'avouer. De musique, tu peux mettre Benny. Et dès que j'arrive au fond, je ferme la porte. Tout seul ou t'attends que les autres passent quand même? Mais non, j'attends que la majorité passe quand même. La majorité passe. T'attends longtemps alors, hein, parce que si on n'a pas la majorité tous. J'essaye de la fermer, la putain de porte. Tu dis ça alors que t'as 150 ans? Ouais. Et vous prenez quelle direction? Je vous ai pas dit, je suis pas un alpha, je suis un gamin. Vers le nord, mais est-ce qu'ils ont toujours des problèmes habillés? Ah oui, ça les gratte, ouais. Bah, c'est embêtant. Vous pouvez pas vous soigner? Vous avez pas de purification des... je sais pas quoi? Bah non. Guérison des maladies, Abby. Je refais une assistance divine sur Abby. Je cherche. Ah mais c'est pas grave, on va brûler tout ça. Est-ce qu'on peut chercher... Alors on brûle Kara. On brûle Nargin. Non, alors moi je suis atteint de rien du tout, arrêtez de m'emmerder. Oui, gravement atteint quand même. Maladies, là. C'est nul, il n'y a pas le truc de maladie, guérison des maladies, il n'y a pas. Si, il y a guérison des maladies, mais je ne crois pas que tu puisses l'avoir à ton level. Ah, zut. C'est ça. C'est à quel level? On attend qu'elle passe un niveau et... Et attends, tout le monde sera mort. Si, je l'ai niveau 3, mais j'en ai droit qu'à un sort par jour. Et bah voilà, nickel. Allez, ah, allez. Tu dois soigner quelqu'un. Tu guéris Nargin. T'es quel aliment? Notre bonne. Non. Ta gueule, tu soignes ta gueule. T'es notre non, bonne. Non, je suis chaotique bon. Ah, TCB. Oh, bah, tu... Donc tu peux te soigner en premier. Ça, après, c'est ta moralité, hein, c'est toi non. Qui vois. Ouais, mais non, mais il faut regarder ce que c'est précisément. Attends, passe Finder. Alors, attends, je cherche dans le bouquin. Oh, bah, je vais tout de suite te dire, c'est chaotique mauvais. Non, c'est pas ça. Chaotique bon. Chaotique bon, un personnage chaotique bon agit selon sa conscience, sans se soucier de ce que les autres pensent de lui, il se comporte comme il l'entend, mais ça n'empêche pas d'être gentil et bienveillant, il croit à la bonté au bon droit, mais se moque des lois et des règles, il déteste les gens qui intimident les autres, ça c'est Nargin, et leur dit comment se comporter. Il suit sa propre morale qui, bien que bienveillante, ne s'accorde pas forcément avec celle de la société. Bon, ouais, bonté et esprit libre, voilà c'est ça un chaotique bon. Donc ouais, tu peux faire. Donc en fait, voilà, soit je me soigne, soit je soigne Nargin. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas. Tu fais ce que tu veux. Ouais. En tout cas, on n'a rien à dire, on sait même pas que tu peux soigner, donc on ne revient même pas.
Bah, techniquement, je devrais me soigner moi vu que je suis le heal. Non, mais. Bah oui, comme ça. Et jamais la maladie prend un jour et que c'est un peu bête. Après, on a un groupe. Mais c'est. Non, mais faut pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as qu'une fois par jour. On fait passer plus vite le jour. De toute façon, on est bientôt la nuit. Tu vois. Moi, je dis. L'affection s'est envie. Je résisterai. Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux atteints. Y a pas. Non, Abigail, soyons logiques. Il vaut mieux que tu subsistes et que tu puisses faire un deuxième sort plutôt que mourir dans la nuit après m'avoir soigné. C'est clair. Oui. Et puis je pense pouvoir résister sans trop de soucis. Il a plus de vigueur, ça. Il est bon, ce Nargine. Ah oui, c'est vrai, exact. La compassion. Oh, mais donc tu le fais sur toi. Me guéris et ouais. Et Kara, tu jettes mon but ultime et te remettre dans le droit chemin. Hein. Tu jettes sortir de ta fange. Tu jettes un dé de 20 et tu rajoutes ton niveau de lanceur de sort, qui est logiquement 4. Donc tu fais un dé de 20 plus 4. Regarde ta feuille. NLS, ça s'appelle. C'est pas sur cette feuille-là. Bah, c'est celle que j'ai. Non, t'en as une deuxième avec des sorts normalement. C'est ta feuille où t'as tes sorts ? Elle est où ? Voilà, c'est ça. C'est dans le 3. Donc c'est 3, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche SRA. Tu vois, NLS, 4. Donc ça veut dire que tu rajoutes. Tu jettes un dé de 20 et tu rajoutes 4. Donc le maximum que tu pourras faire, c'est 24, en ayant beaucoup de chance. Donc vous voyez Abby qui fait quelques gestes, qui prie sa déesse, Desna, et vous voyez de son bras disparaître les pustules, ainsi que l'infection. Ouh. Oh, c'est beau. Je guéris. Tu es puissant. Nargine, je te laisse pas tomber. Félicitations, Abigail. Nargine, je te laisse pas tomber. Eh, franchement, vous devriez voir. Je devrais mettre la webcam parce que les gestes qu'elle fait, c'est trop marrant, quoi. Faut que t'achètes une webcam. Hein. Ok. Je me dirige vers le nord. Hein ? Je crois qu'il a dit qu'il en avait je une de rab. Je me dirige vers le nord. Ah, ok. À droite ou à gauche ? Ou devant, puisqu'il y a une porte. Ah, aussi. Bon, on va aller à droite. Ça marche. Tu me fais un jet ? Stéphane, une indication horaire. Tu peux nous la faire. 23h30. On est vraiment. Ah, une indication horaire au niveau de... Du temps passé dans le truc où on n'a pas... Ah, ben, non, si, c'est pas compliqué. Vous vous retrouvez dans le noir un moment parce que certains d'entre vous voient la lumière vaciller de l'épée de Vilmar, de la dague de Kara. Et ainsi que... T'avais une dague, hein, je crois. Oui, ma dague. Oui. Donc, ben. Non, j'interviens, non, t'es pas dans le noir. J'ai dit qu'une partie est dans le noir. Toi, t'as la. Combien de temps ? C'est 60 minutes.
Je refais ça, hein, c'est du niveau 0. Ouais, bah, y a pas de souci. C'est gratuit, allons-y. Hein. Donc tu peux estimer que ça fait à peu près une heure et demie que vous êtes ici. Pratique, ça nous décompte les heures. Bah, il est 17h parce qu'on est arrivé, je crois, vers 15h30 dans le truc. Donc si on compte une heure et demie, c'est 17h. À peu près. Donc, tu m'as fait le jet. Oui, c'est bon. Oui. Tu n'entends rien, donc je suppose que tu ouvres la porte. Tout à fait. Ah putain. Je déplace tout le décor. Bon, je vous passe de l'autre côté. C'est génial, c'est trop génial. Ouais, là, je suis pas génial, hein. Des résistances. Oh, des pustules partout. Le dé d'un sort, en fait, c'est pas plus le bonus, c'est plus le niveau du lanceur de sort. Donc pareil, sèche de... Mon DD, il était fou. Ah bah si tu me donnes des chiffres faux, oui, je perds rien. Oui, ouais, non, pas de problème. Bon, je sais pas s'il y a eu déjà un usage où... Il fallait que je te communique un DD. Ah si, peut-être sur des esquives ou des trucs comme ça, ouais. Non, je l'avais noté qu'à deux endroits, au don et puis classé niveau, mais... Je vais pas marquer sur le DD. Okay. Alors, qui c'est qui me... Alors, vous me faites touche des jets en rentrant dans la pièce de perception, s'il vous plaît. Ah, je suis des jets de merde. Hein. Stéphane, je suis toujours... Ah, t'as pas dit combien. T'es toujours. D'accord. Oh. T'es pénible. Je sais, alors, je sais. Perception. Oh bah disons. C'est une chambre d'adulte ou d'enfant? C'est une chambre ni d'adulte ni d'enfant. C'est d'adolescent. On pourrait considérer non une chambre d'invité en fait. Vous voyez qu'elle est couverte d'une épaisse couche spongieuse de moisissures vert sombre, bleu et noir. Il y en a partout. Hein. J'ai vu Cindy. On peut toujours pas déterminer son origine, nous, herboriste éclairé. Pour l'instant, je vais juste faire quelque chose avant que tu interviennes. D'accord. Je m'adresse à Vilmar. Tous les autres voient ce qui se passe. Mais Vilmar est le seul à souffrir de ce qui va se passer. Il est content. Désolé pour tout le monde. Je vais rien foutre. Donc, Vilmar. Vilmar, la première chose que tu entends dans cette pièce, pourtant t'as fait un chien de merde, hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est tu entends un enfant, la voix d'un enfant tout tremblant de peur, et tu ressens tout d'un coup une irritation sur ton visage. Il y a quelque chose qui te démange. Et puis il y a tu entends une voix d'enfant qui te demande « Maman, mais qu'est-ce que tu as sur le visage ?» Là, tu lèves ta main pour toucher la source de cette irritation
et pour calmer la démangeaison en te grattant surtout. Et lorsque ta main atteint ta peau, il y a un profond sentiment d'horreur qui t'envahit. Tu réalises en fait que tu touches à un amas purulent de boursouflures et de pustules. Tu déplaces ta main vers ton menton, ta joue, ton front, ton nez, partout. Partout, tu as des pustules qui recouvrent ta peau. Tu me fais un jet de volonté, s'il te plaît. Ah, c'est pas le bon jeu, ça. Je sais. Et on a oublié de faire des assistances divines avant de rentrer dans les autres salles. On s'en branle. Ouais, ça fait un plus 1 quand même. Hein. On se branle un peu. Hein. C'est lui qui nous a lâché. Oh, le groupe. Quoi, c'est un groupe soudé. Ouais, c'est l'idée. Uni dans le tracail, le coup du quotidien. Donc, bon, vous voyez. Ouais. Ah, il est content le maître du jeu là. Non, non, par contre, donc Vilmar, ben, tu te grattes, tu te mets à te griffer le visage violemment, mais vraiment, hein, pris de terreur, et tu te griffes le visage. Les autres, vous le voyez se griffer, mais vraiment littéralement le visage avec ses ongles. Vous faites quelque chose ou pas avant que il enlève un bout de sa peau? Oh, j'hésite. Ok, d'accord. Donc c'est parti. Les salauds. Non, je pense que ouais, je lui bloque un bras. Tenir les mains. Ouais, je lui attrape un bras. Ouais, au moment où vous intervenez. Au moment où vous intervenez pour l'arrêter, vous voyez que le mal malheureusement a été fait. Et bon, ça va, tu perds qu'un point de dégâts à cause de tes grattements. Mec, du poids. Tu t'es crevé un œil. Mais comment il sourit à ce qu'il veut. Ouais, on entend son sourire, quoi. Enfin, le sourire carnassier, quoi. C'est bête, hein. Je t'envoie un message, Antoine. Tu as mal. Aventure des tarés, MJ le taré, sont tous tarés, je refuse. Je me barre. Envoyer un message. C'est ce qu'on appelle un affaiblissement. C'est temporaire. Voilà. C'est sympa. Qu'est-ce que vous faites? Moi je note sur ma petite liste que d'abord je dois sonner une façon dans tous les cas à Narguil en premier et puis Vilmar passe forcément en second. Comment elle se marre? Bon, moi je reste pas là. Oui, la pièce est. T'es tout. Comment dire? Et je continue à essayer de m'énucler ou... Non, tu t'es arrêté. À partir du moment où tes compagnons sont intervenus, tu t'es arrêté, quoi, et tu demandes ce qui se passe, quoi. Mais tu vois que tu t'es un peu éraflé au visage. Voilà, non, ouais, tu t'es arrêté au deuxième œil. Non, mais tu es dans un état d'esprit, t'as eu peur, quoi, t'as eu très peur. Mais les poursuivants, elles sont parties ou elles sont... Bah, quand tu te regardes, tu vois que ça a disparu, quoi. Par contre, maintenant, j'ai des gros sillons sur la gueule. Bah, parce que tu t'es griffé, oui. C'est mon chat, c'est bon, ça y est. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi, je regarde quand même la pièce, c'est quelque chose à regarder, quand même. T'es sûr? Allez, il y a de la moisissure spongieuse vert, noir, dans tous les coins.
Ça veut dire si tu veux regarder quelque chose, si tu veux soulever, il va falloir que tu touches, tu marches dessus. Et c'est comme vous voulez, hein, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais si on a identifié ça à une chambre d'amis, pas de. Non, si tu veux, vous l'avez identifié parce qu'il n'y a aucun objet personnel dans cette chambre. Contrairement aux autres, vous avez pu voir qu'il y avait des étagères, des photos, des choses comme ça. Là, vous voyez qu'il n'y a absolument rien, quoi. C'est vraiment une chambre neutre. Par contre, se pourrait-il que toute cette moisissure avec tous ces spores et toutes ces nourritures peut-être que nous infecte. Ouais, comme on sait pas l'origine. On sait pas ce que c'est. Ouais. C'est pas bien de me regarder, hein. Je sais pas, je te donnerai pas d'indication supplémentaire. Mais je sais pas, je me dis que tu peux peut-être donner des indices, hein. Bah, les indices, ils sont tout autour de vous. Non, mais je te rassure, Vilmar, il aurait nettoyé. Ah oui, c'est le minimum quand même. Donc ici, vous voyez une autre porte. Hein. Et le couloir qui continue. Moi, j'écoute à la nouvelle porte. Vas-y. Y'a rien. Tu n'entends rien. Ah, tu m'étonnes. Alors, tu t'es pas arraché les oreilles. Et tu ouvres la porte. Ouais, mais je crois que je dépasse jamais les litres, en fait, dans mes perceptions. Alors, t'as un peu de mal à ouvrir la porte. Elle est un peu coincée, en fait. Donc, t'es obligé de pousser dessus, quoi, en fait. Ce serait mieux que je puisse la... Putain, j'arrive pas à l'enlever. Donc, je vais vous faire passer dedans. Putain. Ça saoule. Wash and go, c'est ça. Vous entrez dans une. Alors, vous mettez les pieds à l'intérieur de cette petite pièce qui est une salle de bain. Et la première chose que vous entendez, c'est votre. Comment dire. Le craquement des planches sous votre poids. Pas l'air d'être très stable tout ça. Et il y a une baignoire en fer qui se trouve au centre de la pièce. Et vous voyez quelques planches qui supportent la baignoire en fer qui poit sous son poids. Qui poit sur son poids là ? Ça ploie sous son poids. Ouais, compris. C'est magnifique, mais je sens que je vais pas rentrer plus avant dans la salle. Vous êtes vraiment à l'entrée, hein, et vous entendez des craquements de plancher. D'accord, ok. Ben, au moment où vous sortez, vous entendez un espèce de gros bruit affreux, et vous voyez, comme la porte est ouverte, la baignoire carrément qui traverse le plancher et qui tombe. Et on peut voir en dessous. On peut voir en dessous. Ah, bah oui, vous pouvez voir en dessous, y a pas de souci. Non, mais pour nous resituer un peu, où est-ce qu'on est en dessous? Bah, vous voyez la salle de bain qu'il y avait au-dessus, qu'il y avait en dessous, ouais. Avec le rat, ouais. Bah ça tombe en dessous. D'accord. Ok. C'est bien fait, hein. Les salles de bain sont. Ouais. Salle de bain à tous les étages. Ouais. Non mais et puis bien dans l'enfilade. Bien dans l'enfilade. Ouais. Bonne conception. Alors Vilmar, tu vois que il y a un escalier qui monte là, juste devant toi. Enfin, je sais pas si tu le vois. Ah oui. Il y a un escalier. Il y a un escalier qui monte au second étage. Alors, la porte. Tu fais un jet. Est-ce bien la peine que je te fasse des jets? Tu n'entends rien, mais tu ouvres la porte. T'as peut-être d'autres qui écoutent, hein. T'es pas obligé. Ah. Alors là,
En fait, je crois que c'est mon casque que je devrais l'enlever. C'est... Je n'entends rien. Bon, qui c'est qui devient fou là? Oh putain! C'est quoi ce bordel? Alors j'explique. Un nouveau tour de Kara. Cette chambre, autrefois superbe, a été saccagée. Le lit est cassé, le matelas a été déchiré, comme vous pouvez vous en apercevoir, carrément lacéré. Les murs semblent avoir été lacérés à coups de couteau, les chaises en morceaux, les tableaux accrochés au mur réduits en lobos, sauf un. Et il y a un portrait. Il y a un portrait ici. Je sais pas si on le voit, si je pointe correctement et si on voit. Voilà, il y a un portrait intact, bien qu'il soit accroché à l'envers. La peinture tournée vers le mur. C'est-à-dire que vous voyez pas à quoi ça ressemble. Ah, c'est plutôt celui-là, pardon. C'est plutôt celui-là. Le deuxième là. Non, ça c'est des tableaux qui sont au sol, qui ont été. Pour l'instant, je vous parle juste des tableaux qui sont encore intacts. Celui-là n'est plus intact. Il est vraiment dans un sale état. D'accord. Il y en a trois accrochés. Il y en a un là, un voilà, c'est ça, et puis un autre au fond là-bas. Et celui qui est au fond là-bas, il est retourné contre le mur. D'accord. Vous voyez pas à quoi ça ressemble. Ouais, en fait, ouais, c'est... Et celui qui est au sol, là, se voit au dessin. Là où je pointe, il est pas... Stéphane, celui qui est au sol, là où je pointe... Tu peux pas le reconnaître, il est vraiment dans un sale état. D'accord. Vous me faites des jets de perception, s'il vous plaît. Alors, Kara, ok, Vilmar, non, ton jet c'est quoi? C'est 3, hein? Oui, c'est... Ouais, non, parce que je sais jamais, comme tu me changes les trucs à chaque fois. En fait, tu t'en vas, hein? J'ai changé. Bon, bah ok. C'est parce que ça va te concerner, ma chérie. J'ai changé après, ouais. Mais ça s'est écrit comme ça. Okay. Donc. C'est ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a marqué Falgor, alors que. Il y a bien l'icône Yavin. C'est un peu bizarre. Je ferai sortir juste Vilmar et Yavin. J'allais dire Antoine, mais ouais, j'avais raison. Non mais toi tu fais 14, tu me fais sortir. Donc comme tout à l'heure, Kara et Yavin et puis Kara, Nargin et puis Abby, vous participerez à... Enfin, vous verrez la scène, tandis que... commence à être un peu habitué maintenant. Vilmar et puis Yavin, eux, ne pourront pas voir ce qui se passe. Ça va pas durer longtemps, j'attends juste que Cindy revienne. J'en profite, je reviens. C'est bon? On attend Louis parce qu'il est parti. J'attends qu'il revienne pour partir.
Donc la scène te concerne. De toute façon, ça sert à rien puisque de toute façon, ça le concerne pas. Donc je fais sortir. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Les deux. Les Martiens, voilà. Reste avec vous. Donc Kara, Nargin, Abby. Ça concerne Abby. Vous voyez Abby qui se dirige vers. Et c'est pas grave parce que de toute façon, il participe pas à la scène. Il y a juste vous trois. Non. Mais comme tout à l'heure, vous pouvez pas intervenir. Vous voyez donc Abby qui se dirige vers le fond de la pièce pour aller directement sur le portrait. Donc Abby, tu retournes le portrait. Et lorsque tu poses les yeux sur le portrait, tu as une légère nausée qui te prend pendant un court instant. Puis tu entends une voix de femme qui te demande « Qu'est-ce que tu fabriques encore là-dessous ? Il y fait si humide !» Et il y a une rage débordante de haine qui monte en toi. Parce que cette femme que tu vois sur le portrait, tu la détestes. Et rien que de la voir, ça te met dans une des colères des plus noires. Elle comprend rien. Elle cesse de te mettre des bâtons dans les roues. Elle veut te quitter. Elle t'a trahi. Il t'est difficile de te rappeler pourquoi exactement, mais tu es près d'une irrépressible envie de la voir détruite, tuée, frappée, de laisser éclater ta colère. Il faut que ça cesse. Et là, tu portes ton regard vers Kara. Et la rage que tu éprouves contre la femme du portrait se transpose sur Kara. Elle vous met en colère, c'est insupportable. Il faut que tu lui fasses payer, lui faire comprendre. Tu me fais un jet de volonté, s'il te plaît ? Alors, caresse de la mort, blessure ouverte, ça. Ah ouais, ça va, j'ai un truc adapté. Tu me fais un jet de volonté, Abby. Logiquement, ça devrait aller, parce que la volonté, c'est ce qu'il y a de plus fort chez toi, donc. Bon, de toute façon, j'ai matière à la... Ok. Initiative tous les deux. Alors... Donc tu vois, je vais quand même le dire aux autres ça parce que sinon. J'ouvre le turn order. Alors attends. Macro. Putain, elle est où ma macro initiative ? Ah bah ouais. Je les remets avec nous, hein, je leur dis ce qui se passe. Bon, je vous raconte ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Vous avez vu Abby qui s'est dirigé en fait comme vous pour aller fouiller un petit peu pour voir ce que vous trouviez. Elle s'est dirigée directement sur le portrait. Elle a même pas, tu vois, elle a directement été sur le portrait. Elle a retourné le portrait. Et là, vous l'avez vu dans une espèce de rage folle et elle se précipite sur Kara. Cool. Elles ont trouvé où de la boue pour se taper dessus? Non, il n'y a pas de boue, là. Bah, et puis, non, il faut de la boue, quand même. Oh, c'est quoi ce bordel? Vincent, tu me fais un jet de... Initiative, comme on est sur l'autre, il faut que je vérifie que c'est le bon... Ouais, c'est le bon. Deux minutes, Steph. Bon, on laisse faire, hein, Stéphane. Ça va être intéressant. Je crois que le mieux, en fait, ça va être de... Vous êtes surpris, hein. Donc, pour l'instant, c'est un round de surprise. Vous interviendrez au deuxième round, en fait. S'ils sont toujours vivantes. Ok, donc, Kara, t'es vraiment surpris de voir Abby foncer sur toi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est ton ennemi. Il faut que tu le... Je pose la question à Abby. Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait Abby? C'est ton pire ennemi. Ta pire ennemi. Tu quoi? Tu prends une arme ou tu lui donnes un coup de poing? T'es en rage. Tu veux la tuer? Logiquement, je prends l'arme. Voilà, ok. Vas-y, t'attaques. Tu fais un jet d'attaque. T'as pris ta... Alors, t'as juste à jeter... Pourquoi t'as pas...
C'est, ça doit être en bas. C'est l'autre côté de la gorge pour égaliser. C'est... Non, j'ai plus de truc en bas depuis que je suis. D'accord, bah, j'ai dû oublier de les mettre. Alors, bah, tu le fais, c'est pas grave. Tu fais un jet de, un dé de 20, tu rajoutes. C'est ici. Tu rajoutes 2. D'accord ? Avec ta lame étoile. Tu rajoutes 2. Okay. Fais un dé de 20 plus 2. T'as combien en classe d'armure, Vincent ? Attends. Alors, classe d'armure de 18. Oui, non, mais ça, elle a fait 4. Donc, tu vois Abby qui a sorti sa lame étoile, elle a donné un coup, mais elle te loupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux intervenir. Non, je déconne. Il faudrait que tu passes à moi, à l'envers. Oui, pardon. Alors, voilà. Un sort d'injonction. Tombe. Tu fais un jet de volonté. Oui. Et le DD, Vincent, il est de combien là? Parce que c'est ton niveau de sort. Tout de suite. Alors, mon DD par rapport à mon niveau de sort, c'est un sort de niveau 1. Ouais, mort. DD 14. Ouais, elle vient de faire 27. Donc, t'as lancé ton sort. Il t'a pointé du doigt en disant tombe, ça t'a rien fait, et là on va... Alors pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez me jeter l'initiative. Ça marche. Ouais, mais je peux pas être plus violent parce que sinon ça... Voilà, j'attends que ça écrive, et après je change. C'est un peu long. Yavin le plus vieux, Vilmarde. Yavin le plus vieux. Moi j'interviens pas, ça dit que ça va vite. De toute façon. Donc tous ceux qui ont lancé les dés veulent intervenir, c'est ça? Ça marche. C'est Vilmar qui intervient en premier, avant Abby. Vilmar, tu fais quoi quand tu vois cette scène? Je prends Abby par les bras et je cherche à la maîtriser. D'accord. Donc ça va être... c'est la première fois que je teste, c'est très bien. Ça va être le BMO face au DMD. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, oui. En français, bonus de manœuvre. BME. BMO, c'est le bonus de manœuvre offensive. C'est-à-dire le jet que Vilmar va faire. Un dé de 20, enfin Antoine, un dé de 20 plus son BMO contre ta difficulté. Ta difficulté, c'est ton DMD. Le PGCD du CRM. Le DMD, ouais, c'est le défense de manœuvre. DMD, c'est. Il a l'air. Bah, c'est ça. T'as 13. Donc il faut qu'il aille au-dessus de 13 en faisant son jet. S'il arrive à faire au-dessus de 13, il te maîtrise. Donc là, tu peux lancer ton jet. Oh, 24. Donc, tu arrives à maîtriser Abby. Qu'est-ce que tu fais, Abby? Dans quel état t'es? Tu vois que Vilmar, il est arrivé par derrière et puis il t'a prise par derrière, il t'a carrément, tu sais, immobilisé, en te prenant par les bras, quoi, pour éviter que tu fasses du mal à Kara, quoi. Elle, en fait, elle est envers Kara, elle est pas envers les autres, donc du coup, envers lui, je vais faire. Oui, mais t'essayes en fait de vouloir, t'essayes de tuer Kara, en fait. Ouais. Donc tu continues à la maîtriser, Vilmar. Ouais. Kara, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que Vilmar a maîtrisé Kara, a maîtrisé Abby. Euh...
je l'assomme. T'assommes Abby. Vilmar. Bah oui, j'assomme Abby. Oh. C'est pas gentil. Il a pas le choix. Hein. Tu fais un jet d'attaque. De toute façon, il aura un bonus étant donné que t'es immobilisé. De toute façon, plus de débat, mais. Mais t'as plus 10. Au cac, ouais, c'est-à-dire sans. Alors attends, je regarde juste un truc. Vincent. Je mets plus 10, plus mon bonus au cac et je frappe. Ouais, ça va être ça. Non létal. Ouais, c'est non létal de toute façon. Hein. Ça va être ça. Ouais, c'est ça. Vas-y, jette les dés. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Ouais, donc. Pas mal. Kara te met une droite. Une baffe. Non, mais c'est pour assommer. Hein. Donc là. Elle y va de tout son poids, quoi. Et c'est des dégâts longs létaux, donc ça fera un dé de 4 de dégâts. Le but c'est d'assommer. Oui, je sais. Jette-moi un dé de 4, Vincent. Ah, pardon. Attends, un dé de 4, j'ai pas ça, moi. Moi, ça y est pas ça. Bah voilà. Ok, bon, tu reçois un point de dégâts, mais c'est des dégâts non létaux, donc ça veut dire que tu vas t'en remettre. Quoi. Par contre, tu étais au sol. Enfin, tu tombes dans les bras de Vilmar, plutôt. Comment il en profite, lui? Toujours. Les occasions sont bonnes. Ok. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Allez, évanoui. De loin, on voit le portrait, la retourner. Oui, c'est la même femme dont je vous ai fait la description. La brune. Ah, je vous montre. Monica Bellucci. Ouais, c'est ça, c'est elle. Vas-y. Elle est où, Monica? Elle est là, dans ton cul. Regarde. T'as qu'à la liker sur Facebook. Ah oui, c'est elle. Voilà le portrait qu'elle a retourné. Et on la reconnaît, on l'a vu nulle part ailleurs. Il n'y a pas de nom. C'est le visage de la femme que Abby et toi avez vu dans le reflet de la vitre. C'est elle. Il n'y a pas un nom sous le tableau là, je me suis déplacé. Il y a un nom. C'est qui? Madame à l'écharpe. Yesha. Yesha? Yesha. C'est pas Yoshi, c'est Yesha. Yesha. C'est la dame à l'écharpe, c'est ça? Oui. Donc c'est la femme, qui a été étranglée, ok. Enfin, asphyxiée. Étranglée. C'était une étranglée. C'est une étrangle à faire, oui. Non, c'est juste... Regarde, justement. Une étrangulation de cette nature. Ça te coupe la circulation sanguine. Alors que là, elle est revenue à elle. Oui, Abby, tu reviens à toi.
T'as mal à la mâchoire, mais t'as plus cette envie de meurtre envers Kara, ça s'est estompé. Mais t'as carrément une piqûre de Kara. C'est Kara qui s'est mal. Vilmar t'a attrapé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, rien du tout, c'est Kara, elle est violente. Tu t'es jeté sur moi, mais tu te prenais pour qui après avoir vu le visage de la femme là-bas qui s'appelle Yesha, qui est finalement la femme qu'on a vue dans le reflet de la vitre et qui est celle qui a été tuée par Grand Renard. J'ai eu une vision. On me disait que je devais t'attaquer et que voilà. Tu devais attaquer la femme du portrait. Et à un moment, le visage de Kara s'est superposé avec le visage de Yesha. Voilà. Pas le contraire. Et tu sais qui tu étais. Bonne question. Tu étais un homme. Tu sais pas si c'était un homme ou une femme. Je sais juste que c'était toi que je voulais tuer. Cette chambre, ça a l'air d'être une chambre de dame ou d'homme. Est-ce qu'on peut identifier déjà ça, le genre? Ce serait plutôt la chambre d'un homme. Ok. Qu'est-ce qui pourrait nous servir de savoir qui c'est? Les autres portraits, on peut aller. Je regarde les autres portraits avec les noms. Moi, je regarde le bureau, enfin le mobilier là. Parce que Vilmar de Guessac, là, il s'est barré. Il s'est barré, ouais. Moi, je regarde ce qu'il y a au sol là. Des trucs par des genres de livres. Où ça? Là. Ok. C'est le mobilier, c'est des chaises, ça va être une chaise en morceaux. Non, mais le mobilier griffé, là, en tout cas, ce qui ressemble à des. C'est le lit. D'impact. Le lit qui a été lacéré à coups de couteau. Matelas. Donc, ça, c'est... Ce que vous voyez sur les murs, c'est des représentations de nature morte. Des fruits, des légumes, des choses comme ça, une cuisine de pinte. Voilà, c'est sans intérêt. On peut pas déterminer qui est peut-être Yavin, qui est la personne qui appartenait, qui résidait dans cette chambre. Comme je vous l'ai dit, tu vois, tu ouvres les tiroirs, mais de la commode là où tu te situes, mais elles sont vides en fait, il y a rien, il y a plus rien dedans. Il y a un miroir brisé sur la commode. Il y a rien qui pourrait identifier à qui appartiendrait cette pièce, sauf à un homme. Et une cruche au sol qui a été cassée. Qui était manifestement amoureux de cette Yesha. Le tableau là-bas, j'essaye de voir si je peux pas en tirer. Non. On peut penser que c'est Aldern, mais. De quoi, lequel, impossible. C'est impossible de savoir. Ça a été vraiment mis. Faudra aimer le puzzle. Hein. Bah, tu peux emmener la toile qui reste avec les morceaux un petit peu partout et reconstruire ça plus tard. Mais là, franchement, ça peut prendre du temps là. Enfin, rien ne nous dit que c'est produit. Oui, rien ne nous dit que c'est obligé. Non, c'est pas ça. Vous avez aucune notion de. Futur, ouais. Passé, chronologie, présent, ouais. Chronologie. Ouais, on n'a pas la chronologie des événements. On ne sait pas si Aldern était enfant ou adulte. On a vu une scène Aldern adulte. On a vu la scène Aldern adulte. Étranglant. On est un peu perdu parce que Aldern, on l'a vu en chair et en os. Maintenant, est-ce qu'on ne manipule pas, c'est difficile de déterminer. Tant qu'on n'a pas chopé Aldern en chair et en os, on aura du mal à avoir des explications et à comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Il y a manifestement, c'est hanté, pas besoin de te le dire, vu que tu as cherché à voir s'il y avait un peu de magie ici. Tu veux réessayer? Non, c'est bon. Mais on n'a pas le. On ne sait pas trop ce qui se passe.
J'aurais tendance à penser que c'est quand même dans ces lieux où Aldern a grandi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est hanté de plusieurs personnages. C'est hanté de plusieurs personnages, ouais. Clairement. C'est le bordel. Mais il y a le lien direct avec la blême ou les ghouls, ça vient d'ici. Je ne sais pas quelle malédiction le poursuit ou... Ceci dit, c'est hanté de plusieurs personnages. À chaque fois, on a vu chaque vision, c'était d'un personnage différent. Oui, dans chaque pièce, c'était un personnage différent. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu celui d'Aladern, mais on n'est pas sûr qu'il soit mort non plus. Ouais, et en plus, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, mais par contre, si on. Dans le truc d'Aldern, c'est qu'il n'y a que lui qu'on ait vu, qui a cherché à tuer, ou qui a même tué d'ailleurs, Yesha. La difficulté, quelles sont les personnes qui sont intervenues, pour lesquelles on s'est fait manipuler. Là. On ne sait pas quel est le nombre de personnes. À part qu'on a quand même vu qu'il y avait sept portraits au moins. Donc, c'est bon. On peut en attribuer à certains, alors qu'il y a d'autres peuvent être aussi impliqués. Ouais, bon, de toute façon, moi je sors. Ok. Yep. Nargin. Ouais, je sors aussi. Quelle direction vous prenez? On peut encore monter. Je suis la direction de Vilmar. Je suis Vilmar. Non, tu es Kara. Je suis Vilmar, j'ai dit. Tu m'essuies. Allez, roule. Et donc, y a quelques marches pour arriver en fait au second étage. Je vous passe directement sur le second étage. Et là, il y a un problème. Ben pour le moment, oui. Il y a un problème. On a vu tout le premier étage. Oui. Pour moi, oui. Je suis pas sûr, mais le premier étage, en tout cas. Alors, il faut juste que je vous passe. Ah oui, c'était la salle de bain là-bas. D'accord, ok. Je vous passe là. Voilà l'extérieur. Rise of the Runelords. Ça va arriver. C'est trouble chez vous Oui. Ah bah ça va arriver. Non, c'est pas trouble. Non, c'est bon. Ouais. Normalement c'est bon là. Ok. Donc vous voyez que vous êtes dans un espèce de grenier en fait. Hein. T'as plus ta lanterne? Je l'ai peut-être pas mise. Bah non, mais ça fait plus d'une heure. Ah bah voilà, à 10%. J'ai paumé. Alors, une éternelle, non. Je peux. Hop. C'est bon, je récupère la salle. Pas éternelle, mais on peut enfin remettre ça. Ouais, tu nous refais un sort de zéro. Ici magique. Okay. Ok, donc Vilmar, toujours en tête. Oui. Une porte ici. Et un couloir par là. Ici, il y a un banc là. Tout plein de moisissures. Le plancher craque. Et derrière, il y a des trucs là. Derrière vous, ici, là, il y a des tapis.
qu'on a enroulé, qu'on a stocké là, dans ce petit coin. Bah porte, écoute, et entrée. Ça marche. Voilà, bah tu vois, toujours un DG impressionnant. Magnifique. Ce qui serait bien, c'est que je puisse ouvrir la porte. Arg! Oublie Stéphane, toutes tes portes sont... Non, non, celle-là, elle était bonne, mais... Bah non, j'y arrive plus, là. Putain, c'est de la merde. C'est bon, là. Voilà. J'ai réussi. Alors, pénétrer dans une pièce. GG. Tac, tac, c'est ça. Il y a un grand nombre de planches de bois, de cordes et autres matériaux de réparation qui sont conservés ici. Le plafond goûte de façon notable et on peut apercevoir le ciel en plusieurs endroits. Il y a des dizaines d'urnes de céramique et de points métal qui sont disposées au sol pour recueillir l'eau des fuites. Vous voyez que quand il vous parlait de réparation, Aldern, ben, il avait commencé en fait. Vous voyez, il y a tous les outils pour réparer le plancher, enfin voilà quoi. Donc il avait commencé à reconstruire en fait les pièces qui étaient vraiment délabrées en commençant par le grenier. Et c'est la première pièce que vous voyez, il n'y a pas de traces de moisissure, il y a traces d'humidité, mais il a commencé sa réparation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce. Je regarde, ça a l'air récent. Ah oui, c'est récent. D'accord. C'est récent, le bois est récent. Ça date de quelques semaines. Mais là, tu dis que ça goûte, quoi. Est-ce que les seaux sont remplis et débordent ou pas? Oui, les seaux sont remplis et ils sont débordent, oui. Ok. Sinon, on aurait pu estimer, ça fait pas longtemps qu'il est là, ou... Qu'est-ce que vous faites? On va réparer. Moi je veux juste savoir si les tapis, qui sont roulés au fond, est-ce qu'on peut voir quelque chose dessus ou des trucs comme ça ou, Tu les démêles, ouais, enfin tu enlèves. Ouais, voilà. Pour voir si on peut regarder quelque chose ou ça sert à rien. C'est des tapis. Okay. D'accord. Okay. Ouais, c'est des tapis de salon. Ouais, je suis Vilmar de Guessac. Je vous emmerde tous les deux. C'est pas la première fois qu'on lui dit. Donc c'est un jeu d'écoute. Donc tu ouvres la porte. Hein. Ouais, j'ai vu. Tu ouvres la porte. Qui donne sur une espèce d'atelier. La pièce elle est remplie de vieux meubles, de draps, de linge, de boîtes, de caisses et d'autres bricoles. Rien d'intéressant comme ça. Il y a plein de toiles d'araignée qui couvrent tous ces objets et toutes ces caisses et de première vue comme ça, tout est recouvert de poussière. Je rentre un peu plus dans la pièce, je suis curieux. C'est là que le piège se déclenche. Nuée de poussière nous attaque. Louis, tu nous as refait ta lumière, c'est ça? Stéphane, tu peux me mettre une lumière sur moi parce que j'en ai pas. Ah, t'as pas de lousse ? Ok, pardon. Non. Pas pour tout le monde. Ah oui, effectivement. Pas pour tout le monde qui avait déjà, quoi. Je l'avais sorti. C'est bon là ? Ouais, c'est bon.
Ceux qui sont dans cette pièce, si, vous faites quoi? On regarde. On regarde s'il est. Plus attentivement, s'il y a des objets intéressants qui peuvent nous renseigner sur les propriétaires de. Toute information. D'accord. Je cherche des infos. Vilmar, pendant ce temps-là, tu vas à l'autre porte, c'est ça? Ouais, j'écoute. Ok, Nargin pendant ce temps. Je suis Vilmar. Non, d'accord. Non, t'es Nargin. Non, t'es Nargin. Ils sont lourds. Ils ont du mal. Vous allez vous faire émasculer sans. J'arrive pas à avoir accès, c'est chiant. Si c'est. Non, même pas. Donc, vous fouillez cette pièce, vous cherchez à droite à gauche, vous tombez sur du linge de maison, vous ouvrez une caisse pour voir, vous voyez qu'il y a il y a de la porcelaine, il y a des petites babioles, de la vaisselle, des couverts, des choses comme ça. Il y a des vieux meubles qui sont là, mais vous ouvrez des tiroirs, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui pourrait identifier quoi que ce soit. C'est vraiment que des affaires de cuisine, des choses comme ça qui ont été entassées dans des boîtes, dans des caisses ici. Pareil, du linge de maison qui est vraiment, on dirait qu'il est tout neuf, hein, on dirait qu'il n'a jamais servi. Qui est présent dans des caisses aussi, mais bon, rien vraiment d'intéressant. Vous ouvrez donc la porte est ouverte, vous rentrez, vous voyez des jarres, des choses comme ça. C'est un petit peu la même chose que dans l'autre pièce que vous aviez ouverte auparavant. Il n'y a pas grand chose d'intéressant ici. On y stocke des grandes urnes. C'est décoratif, hein. C'est pareil. Apparemment, on utilise ces pièces pour ranger les vieux mobiliers dont on n'a plus besoin. Donc tout ça est recouvert évidemment de poussière. Hop. Vilmar, pareil, tu t'écoutes. T'as pas le droit de me piquer ma blague. Fallait un peu plus vite. Ah, il est 23h30. Donc, on va stopper là. Ok. Et puis, on continuera. Ben, j'enverrai un doodle. On verra quand est-ce qu'on sera dispo. Et puis, tout voilà. Ok. Dimanche, je crois qu'on peut pas jouer. De mémoire. Donc, voilà. Ok. On essaye de voir ça pour la semaine prochaine. Ouais. Ok. Yael et Antoine. Jouer, mais moi je serai pas là dimanche. Ah bah non. Ouais, c'est plus intéressant que ça. Bah non, mais vous pouvez partir sur un autre jeu, c'est ça dans le oui, sport, c'est ça. Oui, oui. Dimanche, t'es. On peut peut-être essayer Warhammer dimanche, si vous voulez. Ah, moi je suis partant. Je suis partant pour Warhammer. Au moins faire une première séance, essayer de se souvenir où on en est. Alors ça, c'est pas gagné. Alors ça, c'est pas gagné. Tous les scénarios sont quand même vachement balèzes. Mais il y a Vincent qui va nous résumer tout ça. Non, ça je résume que dalle, ça fait trop longtemps. Moi j'ai 2-3 TS, enfin enregistrés je crois sur Warhammer, je vais regarder ce qui me reste. Si Gaël, t'as des TS pareil qui traînouillent au niveau Warhammer, je suis preneur pour les écouter. Ils sont sur le Dropbox, il me semble. Ah ok, bah, alors j'ai déjà récupéré. Ok, alors je vous donnerai les XP parce qu'il y a eu plein de choses de faites. Je vous ferai un petit résumé comme d'habitude avec les XP dans le résumé. Dans les autres résumés, on n'a pas eu d'XP. Hein. Dans les autres résumés, on n'a pas eu d'XP, hein, Stéphane. Mais parce que certaines choses n'en valaient pas la peine. Et...